Salut à tous, on se retrouve pour la présentation de la Birchbox de septembre, du coup, de la rentrée. Je l'ai reçue ce matin, je ne l'ai pas ouverte, j'ai préféré découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur en même temps que vous. J'ai donc reçu un petit carton, hein, comme ça. Est-ce que ça va être à l'intérieur une boîte en carton? Est-ce que ça va être un pochon? Il s'agit bien d'une boîte, et elle est belle. Le thème, You Go Girl. Vintage, années 70, pas dans les couleurs, mais dans le graphisme, je trouve. C'est donc les petites boîtes, vous savez, tiroirs. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça. Le menu, le programme, le fascicule. Alors, cette mèche m'agace, faut le dire, elle m'agace. Donc, c'est toujours You Go Girl, hein, car c'est bien connu, ce sont les femmes qui dirigent le monde. En septembre, votre Birchbox, vous... Le clame haut et fort, vous êtes incroyable. Cette mèche m'agace vraiment, mais vraiment. Déjà, je trouve, carte cadeau Mac préchargée d'un montant de 15 euros. Ça ne m'arrange pas parce qu'on avait déjà eu ça et il faut se rendre dans la boutique. Carrément, donc c'est... Moi, j'ai une boutique, c'est hyper loin, le plus près c'est Paris. Donc, mais... Il y a donc un rouge à lèvres, Mac, ça c'est cool. Velvet Teddy. Oh là, marron. C'est pas une couleur qui me va, moi, le marron. Ah ouais, c'est donc un marron. Je vais pas l'essayer, tout simplement parce que je le sais. Je sais que ça ne va pas m'aller. Je vais... Ouhou ! Je préfère le garder et vous l'offrir dans un des prochains concours que je ferai, je pense, sur Insta. C'est un rouge à lèvres quand même qui coûte 19,50 €. C'est une tenue impeccable, un confort absolu, des teintes magnifiques, le rendu mat est sublime et sans transfert. Et il y avait donc, bah voilà, trois teintes. Deuxième produit, marque que j'adore, Garancia. Alors on est sur un tout petit format, l'élixir marabout. Sérum concentré, mais oui, je dis oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de sérum et c'est, comme je vous ai dit, une super marque. Alors bon, on va y aller tranquillou parce qu'il n'y en a pas des masses. J'adore. L'odeur, j'adore l'odeur. Oh là, ça sent super bon. Ah, je suis trop contente. C'est un produit qui coûte 38,90 € normalement. C'est donc un sérum qui va venir éliminer vos petites imperfections comme par enchantement. Faites enfin la peau à votre peau et signez l'arrêt de la guerre des boutons. Bon, je suis pas trop bouton. Ça purifie votre peau sans l'agresser ni la dessécher. Matin et soir, appliquez 5 gouttes de sérum, ah quand même, dans le creux de votre main et appliquez sur l'ensemble du visage. Et après, bah, moi, je mets ma petite crème de jour. Je continue, il s'agit de la marque Bioderma, c'est un nettoyant purifiant visage pour les peaux mixtes à grasse. C'est un gel moussant que, pareil, je n'utiliserai pas, je vais glisser dans un concours parce que j'ai déjà un produit. Et le côté purifiant sur ma peau, c'est pas ce que je préfère, donc il n'y a pas de parabène et c'est hypoallergénique. Par contre, c'est un très très beau format, c'est un full size. On continue. Respire, c'est un déodorant naturel au thé vert. Très bien. C'est un petit roll-on. Ah, ça c'est chouette. Ça par contre, je vais tester, je vais garder. Aloe vera, hydratant pour protéger la peau. Thé vert parfum floral pour un vent de fraîcheur. Et c'est un 15 ml. Notre corps est magique, prenons-en soin. J'ai... Ça c'est... Non, franchement, les produits sont vraiment très très bien. Kérastase, s'il vous plaît. Résistance masse extensionniste. C'est pas merveilleux? Avec les dégâts que j'ai fait à mes cheveux, ça va être génial. C'est donc un masque booster d'endurance extrême de longueur, cheveux en recherche de belles longueurs. Mais c'est carrément ça. C'est un soin, bien évidemment, qu'on va venir rincer. Le format, c'est un 75 ml. Ça reste quand même correct. C'est pas énorme, mais ça reste correct. Bon, quand même, l'intérieur de la boîte, je trouve ça mignon. Donc, c'est écrit girl, girl, girl. Je suis pas mécontente du tout du contenu de septembre, vraiment. Ça m'intéresse de savoir également ce que vous, vous avez eu et bah, ce que vous en pensez. Si vous êtes content comme moi du petit contenu, mettez-moi tout ça en commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, qui sont pas abonnés, bah écoutez, c'est très simple. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, très certainement, même sûrement, un vlog. Salut !